Pablo, tu viens de recevoir ta première bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu te sens en ce moment-là? Bien, je me sens très honoré à cause de la bourse. Hein. Donc, c'est quand même un gros montant. Et dans toutes les bourses que j'ai eues, c'est le plus gros montant. Et j'ai entendu parler de la fondation, que c'est quand même une grosse fondation qui soutient les athlètes. Donc, je me sens très honoré et je suis très content de recevoir la bourse. Donc, je suis sûr que ça va m'aider beaucoup. Tu me parles d'un gros montant, une grosse bourse, c'est super le fun. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu vas faire avec cette bourse-là? Comment ça va t'aider pour ta carrière? Donc, évidemment, comme j'ai mentionné, j'ai beaucoup d'équipements à payer. Le triathlon, c'est un sport qui coûte cher. J'ai les vélos, le casque, tout l'équipement. Et évidemment, je pars en camp d'entraînement assez souvent. Donc, je reviens d'un camp d'entraînement et là, je pars pour un dans 2 semaines. Donc, évidemment, je vais mettre de l'argent là pour réussir pour que tout arrive dans le compte de banque. Là. Parle-moi de ton sport. Parle-moi d'un élément du triathlon là, qui te fait vraiment, vraiment triper. Donc, c'est sûr, le triathlon, c'est 3 sports, natation, vélo, course. Puis, je vous avoue, j'ai un faible pour la course. Là. Donc, je fais ça depuis que j'ai jeune. Quand j'étais petit, je courais partout. Puis, j'ai un faible pour ça. Tu es un excellent athlète, un excellent étudiant. C'est un gros défi. Explique-moi ton truc pour avoir du succès à l'école puis dans le sport en même temps. Bien, c'est sûr, c'est une tâche qui n'est pas facile. Donc, vraiment, il faut que je sois organisé. Il faut que je sache... Qu'est-ce qui arrive quand, les entraînements, quand je vais y aller, puis quand je ne vais pas. Des fois, j'ai trop de travaux, donc ça arrive que des fois, je ne vais pas. Mais jusqu'à maintenant, je réussis à bien faire ça. Donc, le truc, c'est d'être organisé. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Tu as été excellent, mon homme.